Parce que c'est le genre de sort, là je suis pas en mode écorché donc je tape pas très très fort, mais quand même pour 3 PA c'est pas dégueulasse. Sachant que j'ai pas mes stats en agi, faut pas oublier hein. Le rock ça a l'air d'être acceptable. Ensuite on a absorption, mais ça je crois que ça a pas changé du tout. L'attirance ça a pas l'air d'avoir changé. L'épée a changé, puisqu'il y a toujours les 3 types d'épée. Donc voilà, l'épée volante qui est en mode robuste, ça va être l'ancienne épée gardienne. Ensuite il y a l'épée volante quand t'es en mode châtiment vivelos. Apparemment elle soigne encore hein, comme avant, je vais vérifier si elle fait pas d'autre chose. Ok, donc je crois que j'ai compris. Du coup si je mets mon épée en châtiment robuste, et bah elle est quand même ça avec 1000 points de vie. Mais si par malheur je change de châtiment, normalement l'épée change avec hein. Alors voilà c'est ça, donc elle change avec. C'est une espèce de comme les osamodas de dragon là, quand tu fais ta fusion animale ça change aussi. Elle gagne des boosts et tout, là c'est un peu pareil. Donc voilà, l'épée change avec vous. Donc on va voir les 3 types d'épées. Et du coup c'est pas au moment de l'invocation, effectivement c'est vraiment voilà, c'est vraiment le châtiment que vous lancez. Et du coup l'épée tape plus fort, voilà elle tape un peu plus fort. Donc là je suis en mode écorché, enfin ça s'appelle plus écorché, ça s'appelle sanguinaire. Donc voilà, l'épée a changé. Ensuite on a bain de sang, mais bain de sang ça a pas changé j'ai l'impression. Toujours pareil, donc je vais pas vous le remontrer, vous connaissez le game. Projection qui n'a pas changé, alors je sais pas, faudra vérifier si ça marche avec Pupu. Parce que Pupu, en fait, voilà, il y a ça aussi, le dernier gros changement. C'est que pour chaque châtiment, t'as un sort spécial que tu débloques. Donc par exemple, là je suis en châtiment quoi? Là je suis en écorché. Donc en écorché, le châtiment spécial c'est la punition. Donc là je t'apprends hein, parce qu'évidemment je suis full vita. Mais si je passe en robuste, le sort spécial, pardon, ça va être convalescence. Que je vais pouvoir lancer que dans ce châtiment là. Et en revanche, si je passe en vélos, le sort spécial, vous en doutez, ça va être la transpo. Du coup, c'est un peu moins maniable, ça me fait penser aux obales un peu. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que les obales c'est vraiment casse-gueule, c'est vraiment chiant de changer de masque tout le temps. Et ça me fait penser un peu à ça, aux obales là. Et c'est vraiment relou parce qu'il faut changer de machin toutes les 2 secondes. Mais je pense qu'on va pas changer trop souvent pour... Oula, la portée par contre, c'est un sacré bordel hein. Ok, la portée est vachement grande, mais je crois que c'était comme ça avant aussi. Ça a pas dû changer. Donc voilà, vous débloquez du coup un sort spécial pour chaque type de châtiment. Ensuite l'assaut n'a pas changé, c'est vraiment l'ancien détour quoi, ça a vraiment pas bougé. Hop.
Allez, c'est parti. Là, il n'y avait qu'une seule position pour se placer, alors que la map d'avant, il y en avait plein. C'est bizarre. Ouais, vraiment bizarre, parce que cette arène-là, il n'y a qu'une case pour se placer. D'ailleurs, c'est une map de... Ça, c'est une map de Goulta. Hein. C'est vraiment une map Goulta. C'est la map qui s'appelle... Je pense que c'est la map 4. Ouais, c'est la map 4, c'est écrit en haut. C'est juste qu'ils ont changé le skin pour la rendre plus visible. Du coup, let's go. Alors, j'espère qu'il va jouer. Ce serait con que le mec bug, ou alors c'est moi qui bug, mais je pense pas. J'ai mon mode qui a quand même pas mal de vita, des très bonnes raises. Il n'y a pas de raison de perdre ce combat. Est-ce qu'il est opti? Bah oui, je pense qu'à peu près tout le monde est opti maintenant sur Dofus. Hein, il n'y a pas vraiment de raison. Il a un Dococo, il a un Emerald, tout va bien. Là, c'est vraiment la map 4. Vraiment la map 4 du Goulta. Hein. Pour ceux qui font un peu de 4v4 et tout, vous devez connaître. Alors, du coup, j'ai qu'une invocation malheureusement. Donc, je sais pas. En fait, contre un Ekafib, je sais pas vraiment comment le jouer. Je peux peut-être essayer de le jouer robuste. On va essayer de le jouer robuste, à mon avis. Bon, on va faire un tour un peu pourri au début. J'ai pas grand chose à faire, hein. Peut-être mettre une Kawotte. Wow, mettre une Kawotte qui a deux castes, ça pourrait peut-être m'avancer pour faire un assaut au prochain tour. Je sais pas fait spécialement jouer la classe, mais ouais, ça peut peut-être me servir à faire ça au prochain tour par exemple. Hein. Ça me fera gagner 2 PM. Là, de toute façon, il est taclé par l'épée comme à l'ancienne. Hein. L'épée casse tout d'abord le même tacle. Ouais, même plus de tacle, je crois. 70, énorme. Hein. 70 de tacle, c'est énorme. Et du coup, je vais essayer de jouer au tacle. Et du coup, vu que j'ai un mode R, je pense que c'est le bon combo. Tu joues mode R, tu joues châtiment robuste et t'essayes de tacler le mec, comme ça il te tape toujours au corps à corps et du coup il tape rien. Vu que tu réduis énormément. Le mec joue en sabre Hacham alors que le sabre Hacham a été nerf. Hein. Pour ceux qui savent pas, ça coûte 6 PA maintenant, c'est juste énorme. C'est pas du tout rentable. Je vous déconseille absolument de jouer avec ce corps à corps. Que je trouve tout... déjà avant, je le trouvais à chier, mais alors maintenant, je le déconseille 100%. Là, il bégaye contre une épée volante. Je sais pas, il arrive quand même à la tuer, tant mieux pour lui. Ah, nickel. Je vais pouvoir faire ce que je disais, le move que je disais. Non, je gagne un PM avec le abyssal, du coup c'est pas en parfait. Parce que là du coup je vais faire comme ça. Si ça bug pas trop, je lag un peu, mais c'est normal. Hop, là je vais faire double assaut. Enfin, assaut x1. Il me reste 8 PA, bah ça part sur une furicac. Hein. Hop. Et les dégâts sont vraiment sympas. Bon après c'est un dégât de mode R quoi, mais c'est pas mal. Puis Fury va taper de plus en plus fort. Je crois que c'était corps léger le sort avant. Ils ont remplacé par Fury. Voilà, ça part sur une free win à mon avis hein, pour ce colis 1v1. On devrait pas appeler ça colis, c'est un peu nul. Parce que colis pour nous dans notre tête c'est 3v3 automatiquement. Alors que là c'est vraiment du 1v1, c'est une aggro quoi. Hein. C'est ouais, c'est aggro quoi. On va appeler ça une aggro, j'en sais rien. En plus le mec est démon et moi je suis ange, ça tombe bien. Normalement ouais, c'est bien parti. Hein. Pour l'instant il peut vraiment pas me taper parce que je dois vraiment trop réduire les dégâts. Sachant que j'ai des très très bonnes résistances de base. En plus si je réduis les dégâts. Laisse tomber pour lui quoi. Et le but ça va être de le tacler à tous les tours hein, tout simplement hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, je vais peut-être l'attirer. Ah, peut-être la zone douleur là quand même elle est totalement gratuite. Hop. Ah je crois que le chaton va lui rester un point de vie. Nickel Dofus. On va peut-être faire une douleur motivante. Ça me boostera en même temps. Tac. On va faire attirance. Non c'est pas ouf. Si on va quand même le faire je pense. Par contre, j'aimerais essayer 2 PA totalement inutiles, ce qui est pas ouf du tout. J'ai pas envie de le détacler, donc on va le laisser là. Bon, là, je réduis de 40% encore à corps, il me semble. Ouais, vraiment, c'est fumé. Hein. Là, c'est mieux qu'un bouclier FK. Du coup, regardez le récop. Il m'a rien tapé quasiment son récop. Il m'a tapé du 300 en récop alors qu'il était boost, je crois. Non, il était pas boost, mais quand même, moins 300 récop. Hein. Le mec, il peut rien faire là. Honnêtement, sur cette map là, avec mon tacle. J'ai 150. Le mec peut rien faire. Il peut rien faire. Regardez ce qu'il tape. Il tape du 200 en crit. Alors qu'il en a de cham. Hein. Donc en crit, il est censé taper super fort. Non, là, c'est vraiment du free win. Alors vous allez me dire, ouais, c'était pas censé être un nerf. Mais c'est pas du 3v3. Donc le nerf, il était plus mérité pour le 3v3 que le 1v1. Parce que en 1v1, les cafés, enfin, le sacré-heure, pardon, c'était pas spécialement cheaté avant. Hein. C'était chiant, mais c'était pas cheaté, je crois. Hein. Oh là là, les dégâts. Les dégâts sont vraiment pas mal. Sachant que je tank énormément. Bon alors là il peut faire esprit du esprit félin mais c'est pas très grave parce qu'il est quasiment mort hein, parce qu'il perd contre coup il a plus de 2000 points de vie. Moi je suis ultra safe. Petite roulette PM des familles. La petite roue de la fortune. Et je pense qu'il va me taper tout simplement. Mais il va vraiment, vous allez voir il va rien taper hein. 200 et au cac. C'est ridicule, il tape même pas si, il tape 500 au corps à corps. Alors qu'il a fait un crit hein. Il fait un crit, il tape 500. C'est vraiment les dégâts ridicules. Ça c'est grâce bah c'est grâce à au châtiment tout simplement hein. On va faire assaut. Et on va spam la furie parce que la furie tape vraiment fort. Peut-être en faire x1 quand même. Je peux remettre mon épée, on va profiter pour remettre l'épée, allez c'est parti. Épée furie.
Hop, hop. Et là, j'ai pas beaucoup de vitalité. Je pense qu'il faudra quand même jouer avec 5000 vita à peu près. Pour vraiment histoire de tanker assez bien. Mais c'est pas obligé d'être comme avant avec 6000 vita. À mon avis, ça a moins d'intérêt qu'avant. Pas sûr, mais je pense que ça a moins d'intérêt d'être vraiment full full vita. Mais en tout cas, ce mode 1v1 là que je tiens, je le trouve pas mal. Vraiment, c'est mon mode R classique, hein, mais t'as du tacle. Du coup, les Kaflip, enfin, contre les Kaflip par exemple, c'est parfait. Les Kaflip peut rien faire. Hein. Je le tacle, donc il tape rien, il doit se détacler tout. Non, là, je pense que c'est vraiment du no match, le mec peut rien faire. Après, les Kaflip en ce moment, c'est vraiment une sous-classe, mais là, pour cette situation là, en dommage de mêlée, tu forces le mec à te détacler à tous les tours, il peut vraiment rien faire. J'ai trouvé ça vraiment, enfin, ça me semble assez logique de jouer comme ça contre les K. Et du coup, bah, ça m'a l'air d'être vraiment free win. Là, c'est pareil, hein, juste à le tacler avec une asso. Je lag un peu parce que c'est ma connexion, mais rien de bien grave. Là, on fait des robades. Hop. J'ai pas mis slick ma dérobade, mais c'est l'air bon. Voilà, petite dérobade, petite maîtrise. Et en plus, le chichement robuste, c'est celui qui te permet de faire convalescence. Donc, si vraiment t'es dans la merde, tu peux spammer convalescence, c'est comme un dococo. Donc, c'est vraiment parfait. Regardez, c'est récop, il me tape du 500 si je termine au cac avec lui. C'est ridicule. Il me tape 500 récop, carrément. Hein. C'est vraiment nul. Et là, par exemple, si je veux aller chercher le kill, vu qu'il est en x2, je peux passer un châtiment véloce, et du coup, je pourrais taper un peu plus... Enfin, je taperais... j'aurais surtout un bonus PM, en fait, qui pourra me permettre d'aller le choper si je suis trop loin. Parce que là, je peux pas transpo non plus, mais je peux faire fulgurance, par contre, je pense que je vais faire. Vu que je vais avoir que 4 PM ce tour, je vais sûrement faire fulgurance, et puis je vais le taper. On va voir ça, mais je pense que là, c'est terminé, ce combat. Dès qu'il aura perdu son contre-coup, on verra, c'est pas sûr, mais... De toute façon, franchement, je peux pas le perdre ce combat, c'est pas possible. Ah, il va peut-être aller un peu loin là, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je peux quand même aller jusqu'à son cac normalement. Oh putain, le chef, il m'a tellement niqué. Oh là là, mon dieu. Bah, du coup, on va passer en vélos. Hein. Oh, mais le chaffeur, il m'a niqué ma vie, mais vraiment, puissance 1000. Putain, c'est vrai. Oh, mais abusé. Cette chance monumentale, je déconne pas. Hein. Oh, incroyable. Vraiment incroyable. Bref, on va. Projection sur le chaff. On va re-assaut. Et je vais quand même pouvoir profiter avec douleur, je pense que ça peut taper assez fort. Ouais, moins 1000. Ah, c'est dommage, je tue le chauffeur qui était derrière. Mais la petite furie, tu vas faire plaisir également. À moins 750. Il n'est pas encore mort totalement, mais ça va pas tarder. Et je pense que dernière vidéo avec le Xor, j'avais gagné mon premier colis 1v1. Pareil là, hein, là c'est part sur une victoire pour ce premier colis 1v1 avec le Sacrieur. Dites-moi si ça vous intéresse de faire des petits 1v1 comme ça. Franchement, c'est sympa, mais. Là, pour l'instant, si je tombe contre des mecs comme ça, ils ont vraiment pas le niveau, je trouve. C'est pas, qu'ils ont pas le niveau, mais bon, là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment gagné trop facilement, quoi. Le combat est un peu long et tout, mais j'ai pas vraiment de danger dans ce combat. C'est juste un peu long, mais pas vraiment de danger, quoi. Et encore, je viens à peine de débuter sur la classe, donc après, je le jouerai sûrement mieux, quoi. Là, je vais gagner un PM en plus, je vais me gagner 2 PM, 8, 3 PM en plus, carrément. Alors, putain, totalement gratuit. Alors, je sais pas ce qui t'apprête. Bah, je vais faire fulgurance, hein, tout simplement. Fulgurance, et puis caler un cac, et puis après il est terminé, c'est gagné. Ça tape vachement fort, même le corps à corps est vraiment violent. Moins 900. Et voilà, il meurt avec en perdant le contre-coup, c'est gagné. Voilà pour ce Coliseum. Ah là j'ai laissé, ok, ça gagne de l'XP. Bah c'est comme un colis, hein, 3 ans. Je pense que c'est quand même pas mal ce truc, c'est pas mal. Je pense ça, le colis comme ça c'est vraiment une bonne idée. Ils ont bien fait de le faire. Donc c'était ça pour cette vidéo nerf sacré. Qui j'ai l'impression en 1v1 c'est pas vraiment un nerf, franchement. En 1v1 le truc a l'air ultra viable. Mais pour le 3v3, je pense que c'est quand même un bon petit nerf, parce que c'était vraiment fumé avant. Donc je pense que c'est une bonne chose. Autant le Xelor, je trouve ça vraiment bof, autant le Sacrieur, je trouve ça vraiment correct. Après, je peux pas juger, parce que je viens de faire un combat, un putsch, toi, c'est rien, mais je trouve ça quand même vraiment, dans l'idée, ça a l'air sympa. C'était ça peu, n'hésitez pas à laisser un max de like, et bonne soirée tout.